Salut à tous et à toutes les tous ces amis pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais un petit nouvel, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Alors rien n'a changé. Ah, je ferme. Vous avez toujours les mêmes poules. Pas de chose nouvelle. Hein. Mis à part que j'ai encore des rats. Alors s'il y en a qui ont des techniques, voilà. Mettez-les dans les commentaires pour attraper des rats. Mais je pense qu'elle va bien te couper. Celle-là là. Voilà. Alors j'ai aussi une couveuse. Dedans je peux mettre 26 heures, la fabriquer maison. Alors pour la tester, j'ai mis. Il me semble. 10 œufs de nos poules, de mes poules quoi, et surtout des œufs de celle-là et de mon coq là-bas. Voilà. Et j'avais mis 2 œufs d'Araucana pour voir si c'était cool, si c'était bon, mais ils sont pas bons. Alors du coup on a tout enlevé et on a acheté aussi 16 œufs de Brahma, la Dromaille argentée, 16 œufs de Brahma Colombia, mais pour l'instant on sait pas s'ils sont fécondés ou pas. Mon petit coq pékin n'est plus trop sur mes poules, je sais pas ce qu'il a. Voilà. Bon bah je vais leur donner à manger. Et on se retrouve juste après. Ouais, on se retrouve pour le nourrissage. Voilà. Alors je leur donne. Bah, attendez, parce que là il y a une nourriture des cochons d'Inde sur là-bas là. Et voilà. C'est vous là. Allez Abraham, allez. Allez mon gars. Dégage. Allez, file. File. Ah, attends, c'est un truc de ouf. Hein. Vous verrez comment les... Voilà. Hop là, excusez-moi. Je suis pas en découverte. Voilà. Elles ont de la nourriture profondeuse, du blé, du maïs. Allez, recule. Allez. Hop là. Là, on va donner au cochon d'Inde. C'est ma soeur, vu qu'elle est pas là. Non. Et. Attends. On se retrouvera après parce que j'ai peur qu'il saute. Allez, à tout de suite. Alors bon là tout le monde mange. Je vais les lâcher après. Alors voilà, j'ai enlevé toute l'eau. Tous les trucs d'eau. C'est juste le truc le seau là. En fait, si je vous explique ça. C'est un peu dégueulasse là, faudrait que je change. Voilà. Alors à l'intérieur là, du vinaigre de cidre, c'est pour éviter que les poules, quand elles font caca, il y a du sang qui sort avec. Voilà. Tout le monde mange bien, tout. Bon, en ce moment, elle a un peu casse-couille là. Attends, là. Il n'y a rien de très grave. Les Pékins, je sais pas ce qu'ils ont là. Ouais, dites-moi s'il y en a qui élèvent des Pékins. Si... Ils sont là. C'est un pur Pékin ou pas? Là. Ouais, je pense parce que c'est un peu une frisée, alors voilà. Eh, doucement. Ça va bouffer, toi. Voilà, quoi. On va prendre ça et je vais aller là. Après, c'est pas bien grave. Je vais laisser ça là. Bon, alors là, c'est plus Yannick qui tombe. Voilà.
Dès qu'il sort, lui, il essaye de... Là, bon, elle, de toute façon, je sais qu'elle va pas sentir du tout, elle va pas beaucoup sentir. Là, ça va. C'est plus que genre les soumises, elles mangent. Moi, plus les pousses, c'est celle-là. Après, je vous ferai peut-être une vidéo présentation de ma couveuse. Voilà. Bon, bah, c'était tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est pas déjà fait. Bon, bah, bye tout le monde.